Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être restés fidèles à votre émission d'investissement TV Vision. Je démarre ce numéro avec ce feat de Yemi Alade, Mavin, avec ce titre intitulé Missing. À tout à l'heure. Contre moi, tu seras bien dans mes bras, le reste n'existe pas. Tu me fais tellement ressentir ta chaleur, désir, je t'aime à en mourir. Baby, prends ma main, avec toi je me sens bien. Bonsoir ma baby, baby, yeah. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, bonsoir chez vous, bienvenue encore une fois sur votre émission d'divertissement Tuvision. Tuvision s'est déplacé ici à Lomé, au Togo, où il reçoit pour vous Didier Demons. Bonsoir, bienvenue sur Tuvision. Bonsoir, Venance. À quoi va sur Tuvision? Merci beaucoup. Pourquoi on vous appelle Demons? Comme je suis DJ, vous le savez, et le matériel qu'on a l'habitude d'utiliser, on parle de scratch. Et quand on parle de scratch, on parle de diamant. C'est le diamant qui permet de faire le scratch. Est-ce que la musique, ça roule, la musique togolaise, c'est vraiment représenté dans le système? Aujourd'hui, la musique togolaise a beaucoup changé. Parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas évident de voir les artistes togolais à l'étranger, de voir nos rappeurs, de voir... Aujourd'hui, c'est l'afrobeat qui a tout pris à Lomé. Même les rappeurs aujourd'hui font de l'afrobeat. Donc, je me dis que quand même, le Togo a... On a une vue sur le Togo de l'extérieur, en fait. Est-ce que le boulot de Didier Nourou se nomme dans cette capitale? C'est pas vraiment ça, parce que dans certains pays, les DJ sont beaucoup plus valorisés. Aujourd'hui, quand on va à une fête, à une soirée privée, on n'a pas toute la considération qu'il faut. Mais on essaie quand même de faire le métier comme on l'aime. Parlons de la musique togolaise, professionnelle. Qu'est-ce qui marche lors des fêtes, lors des fiestas, lors des surprise parties, quand on programme les chansons? Qu'est-ce qui passe de plus? Aujourd'hui, quand tu vas à une fête, que tu ne mixes pas Toufan, que tu ne mixes pas Ethan, que tu ne mixes pas Snakey, tu n'as pas mixé. Donc les gens sont beaucoup plus une attirance vers l'afrobeat aujourd'hui. Pour être un bon DJ, qu'est-ce qu'il faut avoir? Pour être un bon DJ, il faut d'abord avoir un matériel. Il faut s'exercer tous les jours que Dieu fait. Sinon, on ne peut pas y arriver. C'était qui votre modèle à l'époque? C'était qui votre modèle à l'époque? Mon modèle, c'était DJ Maglo, paix à son âme. Aujourd'hui, je me retrouve vraiment dans ma gloire, dans tout ce qu'il fait. Alors, est-ce que vous arrivez de mixer une traditionnelle de modèle? Vous arrivez souvent? Nous, on appelle ça les battements par minute. Quand les battements par minute s'accordent bien entre elles, ça nous facilite la tâche. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce jargon? Quel spectacle, quel plateau vous a marqué? Le plateau qui m'a marqué, c'était mes tout débuts. Avant, en ce temps, je n'avais pas de platine. C'était en quelle année? En 2006-2007. Et je n'avais pas de platine, j'utilisais l'ordinateur avec un logiciel. Et lors de la fête, il y avait des artistes comme Baby Philippe, il y avait DJ Serge Benoît plutôt, il y avait Rico et puis Mousse. Voilà. Ça vous a marqué? Oui, ça m'a marqué. C'était là où je me suis dit qu'il fallait que je me lance effectivement dans le métier de DJ. Sur cette émission, nous avons une rubrique qui s'appelle Le Voice Pop, Le Voice Populi. Oui. C'est notre artiste du jour. On va suivre ensemble. Je kiffe vraiment cet artiste Kana, que vous connaissez très bien. Il est l'un des meilleurs rappeurs ici au Togo. J'aime bien ce qu'il fait. Sa manière de chauffer la foule, d'occuper toute la scène, ça me plaît beaucoup. Et puis son flow, surtout son flow et ses punchlines, j'aime bien ce qu'il fait. Son tout dernier son, Janta Dikou, je pense. Tadikou, il est arrivé à vraiment ramasser une grande partie du public togolais. Et même au-delà des frontières, il y arrive. Donc je pense que déjà, c'est déjà un grand pas vers le succès. Quand tu vois ses tests, tu vois qu'il parle de beaucoup de choses, de beaucoup de réalités qui se passent actuellement dans la vie
que ce soit sur le plan social, sur tous les plans, je dirais. Le Djanta m'a beaucoup marqué. Bien sûr, il y a d'autres titres qui m'ont marqué, mais c'était beaucoup plus dans un groupe. Mais Djanta, je crois que c'est ce qu'il a révélé. Je lui dirais de continuer dans ce sens. Voilà, on est derrière lui. De continuer, de persévérer, beaucoup de courage. Toute personne, on souhaite grandement que cet artiste puisse aller au-delà, hein, au-delà de ce continent, hein, qu'il puisse voyager, qu'il puisse arriver à faire de grandes œuvres, qu'on puisse le reconnaître comme, je pense, ces grands artistes, Chicken Ja et les autres. Chers téléspectateurs, nous sommes ici à Lomé. On dit merci à Didier Diamond. Merci infiniment d'être avec nous. On va de suite de Vox Populi sur notre artiste du jour, Canan. La population a manifesté positivement. Vos impressions par rapport à cet artiste togolais? Comme la plupart des interviewés l'ont dit tout à l'heure, Canan, c'est quelqu'un, je le confirme, de vraiment lyriciste. Il est bien dans ses tests. Et moi, personnellement, je l'apprécie beaucoup. On va y revenir tout à l'heure. Chers téléspectateurs, notre invité s'appelle Didier Diamond. Merci infiniment encore une fois. On va passer de vous remercier. Merci pour l'Afrique. Merci à vous aussi. Ce beau boulot. Que pensez-vous des Toufan? Les Toufan, ceux qui me connaissent me disent d'habitude que j'admire trop les Toufan et que ce n'est pas bien. Il faudrait que je sois impartial. Mais je dis non, les Toufan aujourd'hui, c'est les Toufan. À chaque fois que je fais un mix, il doit avoir les Toufan. Chers téléspectateurs, notre invité s'appelle Didier Diamond. Merci encore d'être avec nous. Nous sommes à Lomé, 00228. La relève, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un système en place pour détecter les jeunes talents? À ma connaissance, pas vraiment. Les artistes togolais me disent tout le temps qu'ils se débrouillent de leur propre chef. Ils essaient de s'autoproduire. À chaque fois, ils viennent te voir, j'ai sorti ce son, j'ai sorti tel, d'écouter, de les aider à faire sortir le son et pour qu'ils puissent être connus. S'il y avait un système en place qui permettait aux artistes togolais de vraiment émerger, je ne pense pas que ces artistes viendront directement vers nous. Et bon, c'est vrai que le ministère de la Culture fait des actions. Il y a par exemple à l'enregistrement de l'émission Couleur Tropicale, le ministre de la Culture était là, il a parlé, il a fait des promesses, mais est-ce que les promesses sont vraiment tenues? Je me pose la question parce que c'est vraiment clair et net, hein. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et il faudrait que vraiment un programme soit mis en place pour aider les artistes togolais. Merci d'être avec nous. Vous avez un événement chaque année en tant que DJ, en tant qu'homme de culture. C'est quoi votre événement? J'ai beaucoup d'événements, mais très prochainement, l'événement qu'on a l'habitude d'organiser, c'est Africa Fashion Night, où on célèbre le pagne en boîte de nuit. Voilà. Vous avez une marque déposée dans ce contexte-là? Oui, bien sûr. Comment ça s'appelle votre marque? Live Your Dream. C'est la structure qui s'occupe de l'organisation de l'événement Africa Fashion Night. Ça se passe chaque année, c'est ça? Ça se passe chaque 6 mois. 6 mois? Oui. À Lomé ici? À Lomé. Alors, ça se passe bien? Ça se passe bien. À la première édition, il n'y avait pas tellement de monde. Mais la deuxième édition, on était même étonné que les gens attendaient à l'entrée de la boîte de nuit permettre à ce que ceux qui étaient déjà à l'intérieur sortent pour qu'eux aussi puissent rentrer. Vous travaillez dans quelle boîte de nuit? Chicha Club. Chicha Club. Oui, première Chicha Club. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Sur cette émission, nous avons une rubrique qui s'appelle le Top 10 Cinéma, le classement des films africains d'ici d'ailleurs. Alors, est-ce que le cinéma tourne? Est-ce que ça roule ici, à Lomé, au Togo? Oui, bien sûr, on a des réalisateurs togolais qui essaient de booster vraiment le domaine du cinéma au Togo. Je parlais de Steven Aff, que vous connaissez naturellement. Il y a aussi un événement Festilum qui se passe tous les 6 mois aussi, je crois. Et ils essaient quand même de faire découvrir des talents togolais. Alors, on va suivre le Top du cinéma, le classement des films d'ici d'ailleurs. Suivons ensemble le Top du cinéma. C'est parti. Cette semaine sur TubeVision, voici le classement des meilleurs films africains. En 10e position, nous avons... Blacky. Et Mario, ça. Tu es marié? Non. Tu es fiancé? Non plus.
Et comment tu connais les femmes jusqu'à globaliser toutes les situations comme tu le fais là? Mais Mayosa, puisque je te vois, tu es mon modèle et ma femme sera exactement comme toi. Sur le corps ou sur le travail? Oui. Qu'est-ce que toi-même tu viens chercher dans? Tu sais bien ce que je cherche. Ça n'a pas changé. Si, ça a changé. Comment? Avant, tu voulais la femme de ton petit frère comme maîtresse. Oui. Maintenant que je suis venu, qu'est-ce que tu attends? Et en première position pour ce numéro de Tube Vision, je vais te donner une parcelle à l'angle de rue. C'est grand. Il y a parcelle. Ça fait 600 mètres carrés. Je ne veux plus de parcelle. Le bras, c'est 500 mètres carrés. Il y a parcelle. Au minimum. On a suivi le classement des films d'ici, vous avez vu, les films qui passent en Hollywood et tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte au Togo? Comme la musique, il faudrait investir dans le cinéma togolais. Et je pense que tout revient encore une fois au ministère de la Culture qui doit initier des projets, valoriser les courts-métrages qui se font par les jeunes togolais. Aujourd'hui, les Togolais consomment beaucoup plus le cinéma de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina. Donc, il faudrait vraiment que les Togolais aussi puissent arriver à s'imposer. À ce niveau-là. Voilà, à travailler et à s'imposer dans le milieu du cinéma. Nous sommes à Lomé, au Togo. Je reçois Didier Diamond. Merci encore d'être avec nous. Vous aimez quel clip africain? Tout fan, c'est magique parce que c'est avec ce clip qu'on les a découverts de sous de meilleurs jours. Ok, on va suivre ensemble. Suivons ensemble le choix de notre invité, Tout fan. Diamond, merci d'être avec nous. Nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on a vu sur TubeVision? Qu'est-ce qu'on a vu? TubeVision, je dirais que c'est une émission qui parle de la culture en général. Et c'est une émission, je crois, qui doit être faite au Togo également. Merci à Canal 3 d'avoir permis à ce que vous fassiez cette émission. Et je souhaite beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage à toute votre équipe. Et il faudrait que cette émission prenne de l'ampleur dans les autres pays, au Togo, au Cameroun, au Bénin, enfin au Bénin. De toutes les façons, c'est suivi par le bouquet Canal, tous les samedis à 16h, ça fait 15h à Lomé. La rediffusion, c'est les mercredis à 14h30, ça fait 13h30 ici à Lomé. Merci à Offray Togolais, merci à Patrick Tometti, merci à Cyril Ametépé. J'espère qu'on va revenir ces 4 matins pour d'autres tournages. On va se quitter avec ce clip de Eddie Kenzo. On se retrouve la semaine prochaine. C'était 228 spécial Togo sur TubeVision. Bye bye.
Je vous aime. Living a life, I said, we're living a life. Bless touch. Oh, no, no.